responsabilité du gouvernement, quelle est la part de responsabilité des Gilets jaunes. Bonjour Jérôme Rodriguez. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. D'abord, avez-vous, manifesté samedi? Effectivement, j'ai manifesté samedi, oui. À Paris? À Paris. Sur les Champs-Élysées? À la fois sur les Champs, donc sur la manifestation Gilets jaunes, et sur celle de la marche pour le climat. D'accord, bah vous allez pouvoir nous dire ce que vous avez vécu. On va d'abord écouter le numéro 2 du ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui ne fait pas de distinction, lui, entre casseurs et Gilets jaunes. Je ne fais aucune distinction. Écoutez, on avait des individus qui étaient tous ultra-violents, qui étaient là pour en découdre, et on a interpellé un certain nombre d'individus qui ont procédé à des pillages, qui n'étaient pas des individus des mouvances ultra ou des casseurs, c'était des gilets jaunes très radicalisés. Voilà, pas de distinction entre casseurs et gilets jaunes. Eh ben, vous avez un casseur à votre table, malheureusement, et je suis triste d'apprendre que je fais partie de ces gens-là. Est-ce que vous avez vu, de vos yeux, parce que je rappelle évidemment que vous avez été éborgné lors d'une manifestation, mais ce qui ne vous empêche pas de continuer à manifester le samedi, est-ce que vous avez vu ces actes, ces pillages sur les Champs-Élysées, ou est-ce que vous étiez à distance? Effectivement, j'ai pu assister à ces scènes de casse et de pillage. Donc à défaut de pillage, c'était plus lancer les vêtements sur le sol et se rebeller d'une certaine manière en sortant les vêtements ou les différents articles qu'il pouvait y avoir dans les boutiques. Maintenant, Avez participé ou vous les condamnez, ces actes-là? Mais je reste toujours sur ma ligne directrice de condamner ce genre de violence, parce qu'à défaut de nous servir, elle nous dessert. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que cette manifestation est annoncée depuis 15 jours, qu'elle avait un programme et un parcours. Elle n'a pas été déclarée? Elle a été déclarée. Ah bon, d'accord, ok. Je peux vous montrer les documents tout de suite. Ok, d'accord. D'accord, elle partait de l'avenue Kléber. Mm-hmm. Et on était dans la capacité et l'impossibilité de pouvoir démarrer notre manifestation. Il devait y avoir un point de convergence avec la marche pour le climat, qui n'a pas pu être possible. Parce que tout simplement, les policiers ont mis un phénomène d'entonnoir sur les Champs-Élysées qui nous ont empêchés de pouvoir circuler librement. Donc vous avez eu un phénomène de va-et-vient qui s'effectuait sur les Champs. Et à un moment donné, quand vous êtes encerclé par la police et que vous prenez un tas de gaz, oui, effectivement, il y a des gens qui se radicalisent. Des casseurs étaient en action. Les casseurs pétaient boutique après boutique. Aucun policier n'intervenait, si ce n'est gazer les gilets jaunes. Moi, j'aimerais juste comprendre à un moment donné. Alors là, je vais vous dire, pour une fois, on est d'accord avec M. Nunez, il est sur un constat d'échec complet sur la gestion de ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. 72 heures auparavant, vous aviez Castaner sur une chaîne concurrente d'information qui savait apparemment précisément ce qui allait se passer et les personnes qui allaient se rendre sur cette manif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, en même temps, peut-être une présence policière moindre sur les Champs, mais vous avez 5 unités qui sont réservées uniquement parce que M. Castaner vient faire un petit tour sur les Champs-Élysées en dessous de l'Arc de Triomphe pour faire le beau gosse. Non, aujourd'hui ça suffit quoi. On est venu manifester, on nous empêche de manifester. On nous a empêché une convergence. Moi j'ai dû lutter pour sortir des Champs-Élysées parce que je ne pouvais pas y rester pour aller faire un petit tour à la marche du climat. Yann. Oui, une chose qui est quand même étonnante. C'est la première fois qu'une révolution prend son agenda et annonce que la révolution sera hebdomadaire. Vous imaginez en 1830, en 1848, en 1871, annoncer que tous les samedis il y aura révolution. Donc le gouvernement est au courant que le samedi il y a révolution. Donc il est clair que lorsqu'on peut se préparer une semaine à l'avance, comme on se prépare pour aller en classe, faire ses devoirs ou partir en vacances, on peut très bien anticiper les choses. Et là où je rejoins monsieur, c'est que tout est fait pour que les gilets jaunes et les casseurs soient dans le même espace, temporel et physique. Et donc on voit bien le tour de passe-passe qui est fait par le gouvernement là, que de laisser à croire qu'il y a une totale adéquation entre les deux manifestations, ceux qui veulent absolument tout casser et ceux qui ont peut-être des choses à dire, sans doute des choses à dire. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que s'il y a une responsabilité des Gilets jaunes, elle est là, c'est qu'ils savent très bien qu'allant sur les Champs-Élysées, ils vont laisser la possibilité aux casseurs de s'exprimer à leur façon. Mais ils sont pris dans un étau, car on ne peut pas non plus les empêcher de prendre la parole. Mais ce qui frappe là-dedans, c'est de voir quand même non seulement l'amateurisme du gouvernement, on voit que M. Macron va au ski. C'est quoi aller au ski? C'est un Fouquet's hors les murs. Il va au Fouquet's, mais sur les pistes. Et avec ce côté que, sur les pistes, tout glisse sur lui, comme ça glisse sur la neige. Et ce qui est terrible, et là je rejoins également monsieur, c'est que le ministre de l'Intérieur est tellement impuissant qu'il est dans le commentaire. On a l'impression qu'il assiste à un match de foot tous les samedis et qu'il tweet et qu'il commente. Ouh là là, c'est pas bien, les assassins, les ceci, etc. On est dans un gouvernement du verbe où d'un côté le président de la République se jouit de son propre verbe et essaye de détricoter une situation juste par les mots, et de l'autre, les ministres et le gouvernement
qui n'est pas dans le verbe de Dieu, mais qui est dans le commentaire du commentaire enfin, du commentaire. La manticasseur, elle est en examen actuellement, et si cette loi était passée, on aurait pu fouiller les gens avant d'arriver sur une manifestation, on aurait pu interdire aux plus violents d'y aller, et donc cette loi anticasseur... Il y a déjà des lois en place, ils ont qu'à les appliquer, ils vont faire des nouvelles. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas la naissance... Pour aller pour revenir sur la manifestation, quand même la France... est-ce qu'il n'y a pas la naissance d'un nouveau phénomène qui sont des gilets jaunes casseurs? Oui, alors, ah ben non, la porosité. On va regarder justement des images, ce que vient de dire Thierry, des images d'un policier à terre. C'était samedi dernier où on a vu effectivement rassembler des Black Blocs et des Gilets jaunes. Hein, alors parmi les plus violents, mais ces images-là, Jérôme Rodriguez, ce lynchage d'un policier à terre, j'imagine que vous le condamnez, mais vous voyez effectivement que sont mêlés Black Blocs et Gilets jaunes. Mais où sont les images des Gilets jaunes maltraités par un groupe de policiers? Non mais ces images-là, est-ce que vous pouvez nous... Quel que soit, que ce soit d'un côté comme de l'autre, je condamne toutes les violences. Celle que je ne condamne pas et celle que je ne comprends pas, c'est la violence gouvernementale qui ne veut pas accéder à nos revendications. La violence, c'est ce qu'on subit tous les jours, au jour le jour, quand on gère une famille, quand on a une entreprise qu'on ne peut pas tenir. Mais quand vous dites ça légitime la violence de samedi. Ça légitime la violence. Mais quand vous prenez des tartes dans la tronche depuis 4 mois, que vous n'êtes pas entendu, vous voulez réagir comment? Moi j'arrive, je vous gifle la droite, vous allez tendre la gauche? Donc, ça légitimer suffit. Ce qui s'est passé, ça... Mais à un moment donné, je ne légitime pas, mais je comprends qu'on y arrive. Vous ne ferez pas dire ce que je ne vais pas dire, ça fait 4 mois. Et les images du président de la République sur les pistes de ski, c'est une provocation? Comment vous l'interprétez? Elle est là, la violence. Le mec, il n'en a rien à faire de ce qui se passe. Je suis là, je prends du bon temps. Alors, il compare les pistes de ski. Bon, là, mon logis, c'est pas trop le Phuket. Malheureusement, on skie sur les mêmes pistes avec mon Phuket. C'est un Phuket sur les murs, symboliquement, c'est un Phuket sur les murs. Ok, on est sur du symbole et je vous rejoins complètement. On s'est croisés la semaine dernière sur une petite manif. Vous avez vu les violents qu'on était? On a pu discuter calmement tous les deux. Calmement. Pour le coup, c'est la première fois que je vous rencontrais. À un moment donné, la violence, elle vient du gouvernement. Pourquoi vous voulez dire que je légitime? Ça fait 4 mois, je me suis pris une balle. J'ai demandé à ce que tout le monde se calme. Quand vous dites on peut comprendre ce qui s'est passé parce que c'est de la violence qu'on subit depuis des mois et des mois. Mais perdez votre travail. Mais gagnez 1000. Là, au Phuket, concrètement, il y a 30 personnes qui vont être mises au chômage technique. Et il y a 30 personnes. Et c'est pas des millionnaires. Il y a des millions de gens qui sont au chômage et tout le monde s'en fout. Mais ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que le service de renseignement... Mais gagner 1000 euros par mois. Jérôme Rodriguez, ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que le service de renseignement a alerté dans la semaine qu'il y allait avoir des manifestations violentes samedi. Et pourtant, rien n'a été fait. Samedi, c'était un peu Notre-Dame-des-Landes en plein Paris. Est-ce qu'on peut dire qu'on a sacrifié un peu intentionnellement les Champs-Élysées? C'est ce que j'ai dit au début, quand je suis arrivé. Tout a été fait pour décrédibiliser, former un entonnoir de nasses au sein des Champs-Élysées pour... créer une certaine violence, une certaine frustration. On vient pour manifester, on vient pour revendiquer. La seule chose qu'on nous fait, il y a une répression qui est mise en place, on nous en empêche. Jérôme Rodriguez, il y a d'autres images qui ont choqué ce week-end. Il y a des milliers de gens qui sont venus de province. On a travaillé dessus pendant 2 semaines. Il y a eu un phénomène de solidarité au sein de Paris pour pouvoir héberger, emmener toute la province sur Paris, et je les remercie. À un moment donné, si les gens viennent sur Paris pour pouvoir revendiquer et qu'ils subissent une violence de la part de la police, à être cloisonnés, à être nassés et à ne pas être entendus par le gouvernement, faut pas s'étonner, et ça ne veut pas dire qu'on légitime forcément une violence quand on dit qu'il ne faut pas s'étonner. Jérôme Rodriguez, il y a des images qui ont choqué, qui vous ont sans doute choqué, mais ces images du Phuket incendié puis pillé. Là encore, on voit clairement des gilets jaunes, et des gilets jaunes d'ailleurs qui ne condamnent pas ces violences au moment où ça se passe. Écoutez. J'ai pris un petit souvenir pour dire à mes enfants, une fois dans ma vie, j'aurais mis les pieds chez le Phuket. Voilà. Désolé de leur avoir volé, pour la première fois de ma vie, j'aurais volé quelque chose. Moi, cette situation me plaît. Honnêtement, ça a été cassé symboliquement. Ça, c'est de la violence matérielle. Mais il faut parler de la violence psychologique du peuple aussi, quoi. Ouais. Voilà, le fait de ne pas condamner ces violences-là et même finalement d'y participer, ça amène aujourd'hui le pouvoir à dire, ben voilà, gilets jaunes, vous êtes autant responsables que les casseurs. Il y a des ultra-jaunes, il y a des casseurs qui s'entremêlent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que la violence vient du gouvernement et qu'à un moment donné, forcément, il y a certaines personnes qui sont dans la détresse et qui finissent par se radicaliser. D'accord ? On s'en prend à des symboles, comme on en revient à ce que disait monsieur Moi, on s'en prend au Phuket, ça reste un symbole des riches, malheureusement. Voilà. Et donc ça justifie qu'on s'en prenne à ce symbole, aucune violence ne se justifie, mais tout le monde condamne ce genre de violence, moi le premier. Je ne vois aucun média condamner un président de la République péter des yeux, casser des mains, être violent socialement. Personne ne condamne ça, tout le monde s'insurge, comme la dernière fois sur votre plateau sur l'antisémitisme ou autre chose, voir tous les fléaux du monde, voir la disparition des dinosaures, c'est de notre faute. Personne s'insurge contre un président de la République incompétent pour gérer des réformes qui fassent du bien au peuple.
D'accord ? Personne ne condamne un président de la République qui pète des yeux, qui tire sur son peuple, qui mutile son peuple, alors que l'ONU, quand commence à condamner, alors là, par contre, les tout le monde condamne l'ONU. Les munitions ont été changées ce week-end, les munitions étaient un peu plus... les balles de LBD étaient opérationnelles à 4 mètres, au lieu d'être à 40 mètres. Il y a eu deux yeux de perdu. On en parle ? Qui condamne ça ? Vous condamnez ça, les deux yeux ? Évidemment. Il y a eu moins de tirs. Ah, mais je n'entends pas, je n'entends pas si fort. Il n'y a pas des 24 heures faites là-dessus en boucle. 22 borgnes en France. Personne ne s'en s'insurge. Je dois m'insurger de tout. Je dois déclarer de tout. Je dois me condamner tout. Je n'entends aucune voix médiatique, présidentielle, gouvernementale, des députés condamner ça. J'ai eu accès à 3 députés quand les mecs vous disent « On ne peut rien faire. » Mais pourquoi on vote pour toi, mec ? On ne peut rien faire. On n'a même pas un contre-pouvoir pour stopper les conneries d'un président incompétent qui se croit légitime, sûrement par les votes, mais il a perdu sa légitimité à voir ce qui se passe aujourd'hui. Arrêtez de nous condamner, nous, mettez-en aussi dans la tronche du gouvernement, parce que ça ferait du bien aussi. Jérôme André Gazon, si on se retrouve dans deux minutes. Condamne, vous n'aurez pas ça. Jérôme André Gazon, on se retrouve dans deux minutes. Restez avec nous, on revient tout de suite. Ah, je suis en colère, ça. Suite de notre émission avec notre éditorialiste aujourd'hui, Yann Moix, merci d'être avec nous Yann. Et notre invité, c'est Jérôme Rodriguez, merci d'être à nos côtés Jérôme ce matin. On continue évidemment de parler de ce qui s'est passé ce week-end, 80 enseignes touchées samedi, une vingtaine qui ont subi des pillages, des parts d'incendie ou incendie total, comme ce kiosque à journaux entièrement détruit, vous allez le voir, la gérante et le kiosquier sont particulièrement en colère. Ils ne font rien. Au lieu de faire venir l'armée tirer dans le tas, ils ne font pas. Ils sont là en train de discuter, de faire ceci. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de fort. Sinon, on va finir mal. Ah bah, je vois plus rien. Je vois un amas de cendres. C'est dingue. Même le frigo, c'est que de la carcasse. On brûle tout, on casse tout. C'est ça revendiqué. Mais franchement, moi, je pensais qu'on était un bel exemple dans le monde. Moi, j'ai honte. Là, j'ai honte d'être français. Où j'en veux aux Gilets jaunes, c'est qu'ils se portent complices de ce qui est fait. Je suis désolée, ça, je le revendique. Ils se portent complices. Personne n'a rien empêché du tout. Voilà, personne n'a rien empêché du tout, Yann. Brûler un kiosque à journaux, c'est la définition vraiment de l'imbécilité la plus totale. Dans un kiosque à journaux, le pluralisme est représenté. On a la chance d'être dans un pays où toutes les tendances sont exprimées dans ces petits kiosques qui, symboliquement, représentent aussi la République. Avec toutes les contradictions qu'elle peut avoir. Et parmi ces journaux, beaucoup défendent à la fois les anarchistes, les gilets jaunes, que je ne mélange pas personnellement. Certains donc, avaient en couverture brûler, Castaner en boîte de nuit, donc on aurait pu les laisser aussi. Brûler un kiosque à journaux est pour moi une chose vraiment extrêmement choquante. La deuxième chose, sur la police. La police, les forces de l'ordre, sont dans une contradiction totale. Elles doivent protéger la vie de ceux qui les attaquent également. C'est-à-dire qu'ils sont garants de la sécurité des gens attaqués et garants de la sécurité de gens qui attaquent. Pourquoi est-ce qu'on a une sorte de sentiment d'impuissance ? Parce que le gouvernement craint, comme la peste, le syndrome Malik Houssekine. S'il y a un mort, le gouvernement saute. S'il y a un mort, le président Macron est acculé à la démission dans l'heure. Donc il y a cette terrible contradiction que les forces de l'ordre doivent faire régner l'ordre sans la force. Jérôme, sur ces images et sur effectivement des commerçants à bout. Ouais, sur le même discours. À un moment donné. Et en fait, ce que les commerçants reprochent finalement, c'est l'inaction du gouvernement ou une réaction. Ah, mais on est complètement d'accord. Moi, je peux vous montrer des petits commerçants qui sont. Qu'on arrive à faire travailler, ne serait-ce que le samedi quand on se présente à eux. Voilà, alors là, c'est pour le coup, sur les Champs-Élysées, on ne peut pas parler de petits commerçants, on n'est que sur la grande enseigne. Ça ne veut pas dire que je cautionne. Bah là, c'était le kiosque, mais c'est pas les commerçants. Tous les kiosques. Il n'y en a pas qu'un, c'est tous les kiosques. D'accord, il n'y en a pas un, et je rejoins, oui, on a pourquoi. Enfin, on n'est pas, je ne vois pas c'est quoi d'utile. En plus, généralement, les kiosquiers, ce sont des petits patrons, et je ne vois pas l'intérêt, et moi, je suis pour les petits patrons. J'ai entendu dire que sur Montorgueil, les petits commerces avaient été aussi. Mais justement, je voulais vous poser la question, Jérôme Rodriguez, parce que là, on voyait que, soi-disant, la stratégie des Black Blocs, c'était s'attaquer aux symboles du capitalisme, style Bulgarie, le Fouquet's ou encore Louis Vuitton. Mais par exemple, samedi, en marge de cette manifestation, la rue Montorgueil a été saccagée, et il y a eu une horde de Black Bloc qui ont cassé des restaurants, mais surtout, ils ont mis le feu à un restaurant et ils ont menacé avec une arme, alors on ne sait pas si elle est factice ou pas, les employés du restaurant pour pas qu'ils n'éteignent ce feu. Moi, je me pose la question, est-ce que finalement, ce maintien de l'ordre, est-ce que c'est politique à la fin? On se pose la question, est-ce que vous avez rencontré des Black Blocs
C'est quelle est leur stratégie? Est-ce que c'est s'attaquer au symbole du capitalisme ou s'attaquer juste mettre à feu Paris, quoi? Non, non, ils sont dans un combat militantiste qui est de s'attaquer à tout ce qui peut être l'image ou le capitalisme en lui-même. Ils ont une méthodologie de combat qui n'est pas du tout la mienne. Maintenant, je ne suis pas là pour les juger. Vous ou leur pour, avez parlé au Black Bloc, j'imagine. J'ai croisé plusieurs groupes, plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ce que je viens de vous dire, ils sont sur une méthodologie, mais les revendications sont les mêmes. Maintenant, si ce sont des casseurs et des fauteurs de troubles, aujourd'hui on a des policiers qui ont les compétences pour pouvoir les arrêter, pourquoi ils ne le font pas? Donc vous demandez à la police d'intervenir contre ces casseurs et contre ces Black Blocs? Je demande à la police d'intervenir contre toute forme de violence, surtout quand ils sont au courant au préalable, comme l'avait annoncé M. Castaner, et aussi bien au sein de la manifestation. Expliquez-moi pourquoi ils arrivent à défoncer vitrine après vitrine sans que personne ne puisse agir. Ils ont défoncé Bulgarie, par exemple, avec une disqueuse. Comment est-ce qu'on peut se promener dans Paris avec une disqueuse ou avec une fausse arme? Est-ce que vous pensez qu'il y a une moix, qu'il y a une... Pourquoi on le sait que le service renseignement savent qu'il y a entre 1500 et 2000 Black Blocs? Pourquoi on ne les arrête pas depuis? La première chose, c'est que vous imaginez que le message, je veux dire un truc terrible, qui est envoyé à tous les djihadistes qui seraient tentés de faire un attentat un samedi après-midi, vous voyez un peu le carnage. C'est-à-dire que là, on a une chance inouïe qu'un petit malin n'ait pas eu l'idée de faire Allahu Akbar avec une bombe en plein samedi après-midi sur les Champs-Élysées. Parce que dans le tumulte et le fouillis qu'on voit, il n'y a rien de plus simple. La deuxième chose, c'est que la République, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de vivre, la République se croit menacée parce que 1500 personnes décident de venir casser des vitrines le samedi après-midi. Il ne faut pas croire que nous sommes là dans un genre de violence extrême. C'est quand même de la toute petite violence par rapport aux révolutions qu'on a connues, et même il n'y a pas si longtemps que cela. Il faut relativiser vraiment. Et que ce gouvernement se laisse intimider par 1500 casseurs, qui d'ailleurs, on ne voit pas ce qu'ils reprochent au capitalisme, le capitalisme ne leur empêche pas d'avoir une vie intérieure très riche. S'ils veulent s'y soustraire, ils ont toutes les raisons de pouvoir le faire. Et ce que je voudrais vous lire, Audrey, dans la correspondance de Flaubert et George Sand, j'ai trouvé une phrase, ça date de 1865. « La vie n'est pas facile. Quelle affaire compliquée et dispendieuse, dit Flaubert. J'en sais quelque chose. Il faut de l'argent pour tout. Si bien qu'un revenu modeste et un métier improductif, il faut se résigner à peu. Ainsi fais-je. Le pli en est pris, mais les jours où le travail ne marche pas, ce n'est point drôle. Ah oui, je veux bien vous suivre dans une autre planète. Et à propos d'argent, c'est là ce qui rendra la nôtre inhabitable dans un avenir rapproché, car il sera impossible d'y vivre même aux plus riches sans s'occuper de son bien. Il faudra que tout le monde passe plusieurs heures par jour à tripoter ses capitaux. Charmant. » C'est pas nouveau que la capitalisation et le capitalisme fassent peur. Mais je ne vois pas en quoi le fait de manifester va donner la sensation à cette poignée de personnes que les choses vont évoluer. Est-ce que vous croyez que des manifestations vont modifier le comportement des consommateurs à l'échelle mondiale? Nous sommes passés à des sociétés qui sont ce qu'elles sont, sans doute ultra-capitalistes, consuméristes, mais en aucun cas, cette poignée d'agitateurs ne parviendra à faire un croc en roue à cette locomotive qui, malheureusement, est en marche. Il y a des mots forts aussi prononcés par des figures des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, comme Éric Drouet, comme Maxime Nicole, alors qu'ils ont appelé à un ultimatum, qu'ils ont appelé à l'insurrection. Ils ont aussi leur part de responsabilité, j'imagine, non? Vous en... Alors, moi, j'ai la mienne aussi. Parce qu'on n'est pas des créateurs, on est des relayeurs. On ne fait que relayer la base. La base, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est ceux qui marchent. Ce sont tous les provinciaux, tous les banlieusards, quelques Parisiens qui rejoignent les cortèges. On ne fait que relayer les informations et les attentes. Le 16 mars, moi, ça fait 2 semaines que je travaille dessus. Sur un relais d'hébergement, sur un relais de logistique, sur un relais de... Comment on appelle ça? De... Blablacar ou tout ça, pour pouvoir faire venir les gens. On ne fait que relayer, on n'appelle pas à la manifestation, on n'appelle pas au chaos total. Et ils appellent par exemple à une nouvelle mobilisation, à monter sur Paris dans 3 semaines. Est-ce que cette revendication-là, vous la soutenez aussi? Oui, je la soutiens. Et je lance exactement le même appel et je rejoins l'ensemble des têtes d'affiche, comme on les appelle, pour faire en sorte de pouvoir manifester Paris, une autre ville, pour une mobilisation nationale, et de rester toujours dans l'action et toujours rester visible, comme on l'a fait hier sur un Starbucks, comme on l'a fait sur l'aéroport de Paris, c'était mercredi à l'Assemblée nationale. On restera visible partout, il y a d'autres actions qui vont être menées cette semaine. Et une interdiction de manifester sur les Champs-Élysées pourrait être envisagée par l'Élysée? On reste toujours sur des réponses autoritaires et liberticides, parce que le président ne sait rien faire d'autre que de répondre à nos revendications, si ce n'est par l'interdiction de manifester. Je crois qu'il n'a pas compris qu'il y a eu une espèce de bascule, il y a eu un point de rupture qui a été établi samedi. Est-ce que c'est...
enfin, réagis autrement, quoi, parce que ce n'est pas la bonne solution que tu prends. Les gens veulent simplement être entendus, avoir un peu de dignité, gagner leur vie, arrêter de vivre la fin du mois au 10. Si ça, il n'est pas capable de l'entendre, il n'a plus la légitimité d'être président de la République. Merci beaucoup, merci Jérôme Andrégas d'avoir été avec nous ce matin. Suite de notre émission dans